Coucou les amis, on se retrouve pour le sixième épisode de RimWorld. On retrouve donc nos... Ah, Cactus s'est réveillé. Ah, chouette. Il a dû se réveiller pile poil au moment où j'ai sauvegardé. Eh ben, super. On va t'équiper d'un pistolet. Il a pas l'air en forme par contre, il est bien mou. Ah, c'est parce que je suis en vitesse lente. Bon, ma Cactus est de nouveau debout, nouveau sur pied. Bon, bah c'est super. On est en train de faire le sol là, donc ça va prendre un peu de temps. Bah, l'hiver volcanique, super, ça va être bien pour nos plantations. Oh là là, c'est vrai qu'on a déjà beaucoup de monde, hein, donc du coup c'est compliqué. Hein. Il va falloir qu'on aille de nouveau à la chasse. On a que des petits animaux. Là, au moins il aura un lit. Notre luxus. Ah, on a un renard ici. Ouais, mais il manque 40%. Alors, j'ai laissé mon chien mourir de faim. Hein. C'est vrai que j'ai pas été assez réactive. Je l'ai un peu laissé de côté. En fait, j'ai pas vu la famine arriver. C'est toujours les problèmes de vers intestinaux. Luxus a une crise de boulimie. Parfait. On a déjà pas. J'ai rien à manger. Il nous fait une crise de boulimie. Vous pouvez pas espérer mieux. Regardez-le. Bon, c'est bien. On a du monde qui bosse au bloc. Ah, l'hiver volcanique, il va faire mal, hein, je pense, là. Il va faire très mal. Alors, on va refaire des lampes. On va faire des lits en calcaire à tout le monde. Et donc là, on va faire un mur en marbre. On va faire ici une espèce de... Ben, ce sera un couloir. Hein. Pff, un couloir qui va aller jusqu'ici. Là, on n'a plus que du calcaire. Allez, on va pouvoir récupérer un warg. On aurait pu essayer de l'apprivoiser, mais on va peut-être pas prendre le risque pour le moment. C'est toujours extrêmement sale chez nous. Alors là, on a un lit médiocre, donc on va le démolir. On va éviter de garder des lits médiocres. Normal, ça passe. Allez, Yuli, fais-nous un super lit. Elle a 13 en construction. 14, parfait. Donc là, je pense qu'elle va faire un lit plutôt pas mal. Bon, bah voilà, parfait. Bon, Petra, elle est nettement moins bonne, je pense, à 7 quand même. Et Luxus à 8. Et ben, on a de très très bons constructeurs. Voilà, donc là,
On a nos lits médicaux. On réinstalle ici. On a un autre lit médical. Quoi qu'il est normal, on pourrait... Ah, on a un lit médiocre ici, on va démolir celui-là plutôt. Voilà, donc chacun a sa chambre, il fait chaud. On va pouvoir faire des petits meubles. On va faire les commodes en calcaire. La petite table de nuit. Ça, on va plutôt le mettre ici. Je vais laisser une petite place ici pour mettre une sculpture. Bon, bah tout va bien. Tout va mieux. Je pense qu'ici, on mettra notre zone de stockage et tout ce qui est artisanat. On va essayer de se faire une grande pièce d'artisanat. Avec une grande pièce de... Et là, ici, ce sera peut-être quelque chose comme la salle de jeu ou quelque chose comme ça. On va voir. À moins qu'on mette la cuisine fermée ici. Et qu'on fasse ici une grande salle à manger. Ce qui serait peut-être pas mal. On verra. On va voir ce qu'on fait. Alors, on n'a pas trop de bois. On a... Le bois, c'est toujours... Alors qu'on en cherche un peu. Prenez du bois d'avance pour pouvoir refaire les pièges. D'ailleurs, on pourrait mettre ici notre tas de bois ici, ce serait pas mal. J'ai plus de marbre. Pourtant, j'en ai là-haut. Hein. Donc, il suffit d'aller le chercher. On va mettre ici, on va le faire en bois. On va faire les murs en bois, c'est pas la peine de s'embêter. On va faire ça assez petit. Hein. On va pas trop s'embêter. Ce sera juste pour stocker zone de stockage. Donc ici, on va stocker simplement notre bois. Alors, ressources brutes, bois. Voilà. On va mettre le bois ici. Mettre une porte en marbre tant qu'à faire. Bon bah c'est parfait. Petra, on va te changer, on va te mettre ici. Bon, on n'a pas de chambre d'avance. Hein. Il va falloir que je remette des chambres ici. On mettra les chambres de ce côté-là, peut-être. On mettra l'artisanat ici, peut-être. On va essayer de faire quelque chose comme ça. Alors, nos visiteurs. Un groupe, un tout petit groupe. Luxus. Luxus, tu seras notre tireur. Alors, toi, tu es un pur tireur. Tu as le fusil à impulsion, donc c'est parfait. Toi, tu es aussi une très très bonne tireuse, donc c'est parfait aussi. Parce qu'il va bientôt falloir quand même s'intéresser aux armes dès qu'on aura fini la microélectronique. Allez, tout le monde a sa chambre. Alors, qui va pas bien? C'est Cactus, c'est toujours le même, c'est toujours notre dépressif. Oui, c'est toujours la galère. Hein. Lui, il est toujours mal dans sa peau. Alors, on va récupérer des buissons, je sais pas où on en est, il nous reste 6 plats.
Ah, on a quand même le riz là qui est prêt à être récolté. Ouais, j'ai qu'un seul fermier. On va mettre Kana aussi. Bah, mais Kana, il est déjà à la recherche, donc ça m'embête. Voilà, on va faire ça. On va mettre Yuli d'abord à la ferme, puisqu'on a deux constructeurs ici. Là aussi, tout est prêt à être récolté, donc il faudrait vraiment qu'on se dépêche. Pff, là, je me demande si ça vaut le coup de laisser. Mais bon, cette grande pièce serait tellement inutile. Pff, je sais vraiment pas comment faire là. Là, je sais. Mais là, c'est vraiment du. Là, c'est gâché, quoi. C'est vraiment gâché de la place, je pense. Je vais démolir tout ça. Hein. Pour moi, ça sert à rien, hein, tout ça. On va faire une grande pièce ici et basta. Allez, on va démolir ça, ça sert à rien aussi. Allez, on va faire quelque chose dans ce style-là. Ça, on va le désinstaller, on n'en a pas besoin pour le moment. Ça, on va le mettre là. Même ici. Ah, je vais même pas regarder la planque. Qu'est-ce qui. Ouais, bon, il y a cactus qui va mal. Oh, c'est sale, mon Dieu, que c'est sale. Bon, remarque, c'est pas plus mal d'avoir une grande pièce parce que peut-être qu'à la longue, on aura peut-être besoin de deux cuisinières. Si on commence à avoir un peu plus de monde. On risque d'effectivement d'avoir d'être obligé d'avoir deux cuisinières, donc ça peut être pas mal. Bon, maintenant, il faudrait vraiment faire le ménage. Est-ce que Luxus pourrait pas au moins nettoyer cette pièce? Là, c'est catastrophique, hein. On voit même plus la couleur de la pièce, quoi. Ah bah voilà, ça y est, il le fait tout seul. On mettra aussi des portes automatiques. Ça fera gagner un petit peu de temps. Ici, on a notre bois, donc c'est formidable. Wake up, alors là, attention. Ah ben voilà, ça y est, enfin, on fait le ménage. Ouh.
Rataboum. Ah, c'est une bonne idée d'avoir ce stock de bois ici. Bon, bah c'est super, on fait notre petite vie bien tranquille. On va peut-être se faire un petit champ ici de... On va se faire un petit champ de maïs. Là, c'est quoi? C'est notre décharge. Il faudrait qu'on fasse aussi des herbes médicinales. On va les faire là. Hop. Allez, Yuli, la fermière. J'espère que tu auras bientôt un binôme. Parce que tu es un peu seule, ma pauvre, pour gérer tout ça. On va ramener du calcaire, peut-être. On va ramener un peu de marbre. Bon, moi, c'est... Moi, ce grand couloir m'embête profondément. J'aurais pas dû faire ça, en fait. Ça sert à rien du tout. Je vais démolir tout ça. Pour moi, c'est totalement inutile. On verra bien après en fonction de la taille de notre maison. Là, ici, on va mettre notre zone de stockage. Alors, déjà, est-ce que c'est... Ouais, non, les croquettes, ça ne pourrit jamais. Donc, on va mettre une zone de stockage ici. Dans le coin là. On va copier ces paramètres ici. Et ça, on va le virer. Voilà. Bon, Luxus, c'est un très bon élément. Hein. Il est très bon en construction. Il va passer à 10, d'ailleurs. Bon, c'est un psychopathe. Petit dormeur, d'accord. Ascétique, très bien. Donc, il n'a pas besoin d'avoir une super chambre. Donc là, maintenant, il faudrait vraiment qu'on revoie un peu notre... notre zone d'artisanat. Quoi qu'ici, ça pourrait être une petite zone d'artisanat. On pourrait faire, par exemple, des obus, des choses comme ça. Ça, par contre, on va le mettre... ça, on va le mettre ici. Non, peut-être pas là. Plutôt là. Donc on va enlever ce radiateur. Radiateur, on va le mettre ici. Là, on est toujours en train de rechercher la base de la microélectronique. Ici, on pourrait continuer à faire, on pourrait faire les sculptures, on pourrait continuer à faire les pierres, on pourrait éventuellement mettre le centre de recherche. Il va falloir qu'on mette les batteries ailleurs aussi. Les batteries, on va les mettre quelque part par ici. Je vais le faire tout de suite d'ailleurs. On va mettre les batteries quelque part par là. Allez, on va en mettre 3. Alors, il va nous falloir du métal. On va aller miner. Parce que dès qu'on aura les bases de la microélectronique, il va falloir qu'on fabrique pas mal de choses. J'ai très très peu de nourriture, hein. C'est un peu la galère. Plus cet hiver volcanique, il n'arrive pas au meilleur moment. Peut-être quand même qu'on aille un peu à la chasse à l'alpaga, pourquoi pas. Ouais, chasser le lapin. Je sais pas d'où il sort celui-là. Luxus, très bon chasseur, mais c'est vraiment une très bonne recrue. Hein. Luxus, je t'adore. Il est en train de chasser toutes les bêtes à lui tout seul. Il dort pas, donc c'est cool. Propane, tu seras notre mêlée. On va te mettre un badge tout de suite. Petra aussi.
Il va juste falloir qu'on vous trouve des armes. Il va d'ailleurs falloir qu'on le fasse assez rapidement parce que sinon on risque d'avoir des soucis. Ouais, ici je vais mettre tailleur de pierre et sculpteur. Je vais d'ailleurs tout de suite mettre un truc de sculpture. Je cherchais sculpture, sculpterie. Donc ça, on va leur mettre une chaise. Ah, on a un raid, ça faisait longtemps. Allez, tout le monde en sécurité. On va prendre nos tireurs. Nos tireurs attitrés. Même si, à mon avis, on n'aura pas besoin d'eux. Ah, on a déjà un mécanoïde qui vient nous voir. Ouais, il faudrait pas qu'on ait un siège ou un truc comme ça. On n'a pas les mortiers encore. Hein. Là, je trouve qu'il arrive bientôt, ce mécanoïde. Allez. Hop. On pourrait très bien... ah non, on peut pas. On aurait pu récupérer son bras. Alors, est-ce qu'on fait de la sculpture? Est-ce qu'on a un sculpteur? On n'a pas vraiment de sculpteur. Si je pouvais pouvoir recruter un fermier sculpteur, ce serait top du top. Pour le moment, je n'en ai pas. Il faudra qu'on aille l'achever. Donc, c'est Yuli. Hein, c'est Yuli qui achève toujours nos ennemis. Un coup de couteau. T'as bien du mal. Ok. Alors, ça, on le ramène. Ouais, on va voir, on verra, on va réorganiser un peu notre stock quand on aura fini la base de la microélectronique. On en est où? On a encore assez de nourriture, ça va. C'est pas topissime, mais ça va. On va continuer les chambres par ici. On mettra notre atelier quelque part par là. Notre zone de stockage, encore un peu au-dessus. On va essayer de faire quelque chose dans ce style-là. Je pense qu'on va faire quelque chose comme ça. Voilà, donc ça, ce sera notre atelier. Voilà, ce sera nos chambres, toujours. Par contre, du coup, on n'aura plus de... Par contre, on aura... Si, on aura toujours notre couloir ici. Il faudra qu'on passe par l'atelier pour pouvoir aller à la salle de la manger. Ce qui est peut-être pas génial. On va peut-être faire quelque chose comme ça. Donc ça, on va plutôt l'annuler. Ça, on va l'annuler aussi, parce qu'on va le faire un peu plus grand. Voilà, l'atelier, ce sera globalement, ce sera ça. Avec une porte ici. Une porte ici pour la sortie. Capsule de sauvetage. Alors, Ripley. Quel drôle de nom. Il est sociable. Dislike children. Il n'aime pas les enfants. Ok, alors, tu n'aimes pas les enfants. Ah, t'es pas trop mal en agriculture. Pas super, mais pas trop mal. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on te prend? Bah, au moins, tu pourrais au moins faire le ménage. Enfant comateux. Ok. Allez, on va aller le chercher, lui. Qu'est-ce qu'il y a Qu'est-ce qui travaille vite? Je sais plus. C'est psychopathe, c'est notre psychopathe, c'est propane. Non, c'est pas lui qui court vite, on en a un qui court vite. Très névrosé, voilà, cactus. Allez, cactus. Alors, s'il veut rester, celui-là, on va le garder. Et je pense que ce sera notre Dylan. Voilà, donc ça, ce sera notre atelier.
Ah mais là j'ai un souci, ça ira pas avec mes chambres encore cette affaire là. J'ai un problème avec mes chambres. Ça va pas du tout, ça va pas du tout ce que je fais là, ça va pas du tout, ça va pas du tout, ça va pas du tout. Faut que je laisse au moins un couloir là pour mes chambres, sinon comment je vais faire? Alors on va tout démolir, c'est vrai que comme je fais pas de planification, toujours mon côté trop pressé, du coup je fais un peu n'importe quoi. Il va falloir que je... Parce que là ici il y aura mes chambres, donc il faut au moins que je leur laisse... Au moins que je leur laisse une porte de sortie. C'est un peu mal foutu cette affaire là. Il faut que je fasse quelque chose comme ça alors. Ce sera plutôt quelque chose comme ça. Bon, c'est un peu ridicule ce que je fais là. C'est pas super hein, mais bon. Avec des couloirs partout, Bon, c'est pas grave. En tout cas, on va pouvoir faire un bel atelier quand même. On pourra mettre de chaque côté, hein, ici, des trucs. Donc, ça ira. Et on aura au moins un couloir pour nos chambres. Donc là, si je planifie, par exemple, ici... Que je refais une série de trois chambres ici. Voilà, donc là ça colle. Alors on va le faire tout de suite, comme ça ce sera fait. J'aurais pu me poser 36 000 questions. Et on a donc les portes ici. Voilà. Ok, allez, c'est pas mal. Vêtements, lambeaux, Kappa et Ripley. Donc Ripley nous a rejoint. Donc Ripley, c'est un petit enfant. Ah non, c'est la colombe femelle. Donc c'est une femme. Bah, tant pis. Ah bon, en plus, elle ne peut pas se battre. Très sociable. Bon, par contre, elle n'aime pas les enfants. Donc ça va être compliqué de s'occuper des enfants si elle n'aime pas les enfants. Ce sera notre géolier par contre, donc ce sera notre seul géolier. Donc on va bien lui mettre la badge de ça. Fermier, oui. Voilà, puis le reste ce sera transporteur et nettoyeur, voilà. Il va falloir qu'on le retrouve aussi d'autres jeux. Allez, ici on va mettre un seul... Je vais peut-être leur mettre un jeu ici. Est-ce que je leur mettrais par exemple une table de billard dans ce coin-là? Non, peut-être pas. Donc ce sera peut-être la table de poker à ce moment-là. Allez, on va mettre la table de poker ici. Voilà. Avec la petite lumière qui va bien. On va la mettre par là. On va remettre un sol ici. C'est bien calme d'un coup, je m'entends... Voilà, donc là ce sera notre atelier, là ce sera nos trois futures chambres. Qu'est-ce qu'on a ici? On a du calcaire, on n'a plus de marbre de nouveau. On s'agrandit vraiment trop vite, trop vite. Allez, là ici on a du marbre, c'est quoi ça comme bestiole? C'est un cougar. On n'a plus de marbre déjà. Bon, bah c'est pas mal. Il nous manquera donc notre zone de stockage. Ça, on va le ramener, tant qu'à faire. On a beaucoup de bois, beaucoup trop de bois même. Voilà, c'est le petit épisode tranquillou. Hein. Là, il se passe pas grand-chose. Alors, donc, Kana, qu'est-ce qui t'arrive? Kana, tu as besoin de quoi? Kana, tu as besoin d'une parka. Ripley, tu as besoin d'une parka aussi. Donc, on va faire des parkas. On va en faire trois. Non, c'est là.
On va faire 3 par cas. On va faire ici... Ouest. On va faire quelques caisses à outils. On va enlever cette lumière. On va la mettre ici. Et on va mettre des caisses à outils. Voilà. Ça, on va le mettre là. C'est au cas où on a un chien. Et par contre, il va me falloir du métal. Donc, on va éliminer. Composants, on n'en a plus. Alors, il y en a ici. Il y en a un peu là. Eh ben, c'est parfait, parfait. Ripley, d'ailleurs. Ripley, qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi tu saignes? T'es encore... ouais, t'es pas en grande forme, mais bon. D'ailleurs, il va pas avoir de chambre. Il va falloir que je lui fasse une chambre. À notre Ripley. Par contre, il va avoir tout le tour à faire. Ça aussi, j'ai pas réfléchi. J'ai pas réfléchi. Il va falloir que je redémolisse tout de nouveau. Alors peut-être pas tout, mais au moins deux. Au moins les portes. Et puis ça. Voilà, parce qu'il faudrait au moins un couloir. Il faudrait que les futures chambres, elles démarrent ici. Ah, c'est dommage. Alors, encore une météorite. Kezako, du granit, on s'en moque. On a quelques visiteurs. Donc là, on a Ripley. Hein. Ripley, c'est notre... Donc là, lui, si on a des propositions de pourparler, on l'enverra. Par contre, il ne sait pas se battre. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a des pistolets. Tout ça, on va les jeter. Pantalon, on jette. Ah, on va racheter des médocs. Faut est-ce qu'on leur achète? Ouais, on va leur prendre 3 composants. Et zouf. Ah, ça va pas, il y a un écart. Je vais encore enlever ça. Ça me plaît pas du tout. On va y arriver, hein. On récupère pas beaucoup de riz, hein. Bon, est-ce que je vais y arriver à faire mes chambres comme je les veux? Donc ici 4, 4 et 4. Voilà. Cette fois, nous y sommes. Voilà. Ok. Et on va faire des portes. Ici, ici et ici. Cette fois, nous y sommes. Et là, on va pouvoir fermer ici. Pile poil, je pense, à l'énergie géothermique. Voilà, tout pile. Bon, bah voilà, ça prend forme, ma maison. On remettra encore 3 chambres ici. Ouais, on n'a plus que du calcaire. On a plus de marbre, on a du granit. Il va falloir que je cherche du marbre de plus en plus loin. Ou alors, il va falloir qu'on commence vraiment à l'éliminer. Ah, ici, c'est du marbre. Hop. Allez, un petit raid, là, ce serait bien. Ça, il faut qu'on le mine aussi. Allez, on va miner l'or. Petra, tu aurais pu ramener tes 4 machins de... Bon, voilà, ça avance. Ça, on va s'en débarrasser si on peut.
Bon, qu'est-ce que vous en pensez de cette petite maison? Elle est plutôt sympa. Je pense qu'on va s'arrêter là. On est à 35 minutes de vidéo. Donc, bon, on a pratiquement. J'ai pratiquement pu honorer mes premières demandes. Hein. On a Cana, Cactus, Propane, Luxus. Il nous manque Dylan le fermier. Donc, on est plutôt bien. Alors là, ici, j'aimerais bien démolir ce mur qui sert à rien, mais bon. On va le laisser, c'est pas grave. Allez, en tout cas, j'espère que cette série de vidéos vous plaît toujours. Laissez-moi des pouces bleus, laissez-moi des commentaires et je vous dis à bientôt.